je voulais rempoter mes Tradescantia. Vous vous rappelez du super colis que j'avais reçu en même temps que certaines de mes Sympolia. Donc là, j'ai les deux pots et j'ai un autre pot là-bas-haut sur une étagère. Donc le truc, c'est que je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'en fait, j'ai pas réfléchi, mais j'ai plus de pont. Et moi, je compte les mettre en pont parce que c'est ce qui fonctionne le mieux chez moi. D'ailleurs, je vais vous montrer ma grande Zébrina, comment elle a super bien poussé. Et d'ailleurs, j'en ai une dehors en jardinière. C'est la seule que j'ai testée dehors. Et là, depuis la baisse des températures, depuis le début, fin d'été, début d'automne, vous savez, en Normandie, il fait un peu plus frais, et ben, elle a explosé. Vraiment, elle est incroyable. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai ma Nanouk qui est en terre, qui commence à faire un peu la gueule. Alors, je pense que je vais peut-être la tailler et la faire bouturer pour la mettre en pont aussi. Je vais vous montrer mes Tradescantia qui sont en pont, elles sont incroyables. Bon, je vais pas ouvrir les fenêtres tout de suite parce qu'il y a grave du vent, mais regardez cette Tradescantia là, comment elle est incroyable dehors. C'est la violette, la pourpre. Incroyable. Sinon, la Nanouk est ici. Alors, la Nanouk a toujours été très très belle. En terre, elle se plaisait trop bien. Et là, je ne sais pas pourquoi. Depuis la baisse des températures, elle me fait des choses comme ça. Alors, je pense que c'est pas un manque d'humidité parce qu'ils m'ont pas encore remis le chauffage. Mais je pense que c'est un petit problème au niveau des racines. Et en plus, bah, elle est en terre. Alors, je pense que c'est plutôt ça. D'ailleurs, mon chat, on a cassé un morceau que j'ai mis là en eau. Et ça, c'est le reste de ce qu'il y a en eau. De la commande en même temps des Sympolia. Donc je vais trier un petit peu parce qu'il y a des feuilles mortes et tout ça, donc je vais les nettoyer un petit peu, ces pots là on va nettoyer tout ça, mais avant je termine de vous montrer mes Sympolia, sinon je vais encore oublier. Ensuite, il y a celle-ci qui est juste immense. Je l'avais déjà achetée à une taille très correcte, mais elle a très très bien poussé, elle est en pont, elle kiffe, elle fait des fleurs. Voilà, quoi vous dire de plus, franchement, mettez vos Sympolia en pont. Et puis, juste là, celle-ci est incroyable. Je crois que c'est peut-être ma préférée, mais regardez. Elle est juste incroyable, elle est en train de se cacher par là-bas. Elle est un tout petit peu dégarnie ici. Mais la longueur et la grosseur de ses feuilles, incroyable. Elle va bientôt toucher le sol si ça continue. Et comme vous pouvez le voir, bon, il y a plusieurs pieds. C'est en pont et ça a soif d'ailleurs. Pendant que j'y suis, vendredi, j'ai reçu ce colis de la part de Hydropassion. En fait, leurs produits m'intriguaient vachement et je leur ai demandé si je pouvais les tester. Et puis, ils me les ont gentiment envoyés. Donc, on a l'Extra Roots. Je pense que vous connaissez un petit peu ces produits. Il y a déjà pas mal de personnes qui commencent à en parler. Et c'est vrai que ça me faisait vachement l'œil. Et vu que les Sympolia ont des systèmes racinaires très fins, très sensible, etc., et que je voyais personne tester ça sur des Sympolia, je leur ai surtout demandé pour pouvoir les tester sur mes Sympolia. Bien sûr, on va les tester sur les autres plantes aussi, mais principalement, on va faire le test sur les Sympolia. Donc, il y en a plusieurs, ils m'ont envoyé à toute la gamme. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que c'est bio et vegan. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Voilà. Et puis on a deux petites pipettes. C'est trop pratique.
Donc là, par rapport aux produits, j'étais en train de regarder. Donc celui-ci peut être pas mal vraiment pour toutes les plantes ainsi que pour les simpolias qui ont déjà commencé à raciner. Bon, je vous dis ça, mais c'est pour toutes les plantes hein, qui ont commencé à raciner. Mais comme vous avez compris, vu qu'on va faire un test plus poussé sur les simpolias, parce que là, sur celui-ci, ils disent qu'on peut apporter cet engrais dès l'apparition des premières racines en terre. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que celui-ci, c'est celui qui me servira le moins. Du moins, je vais plus me renseigner sur celui-là. Celui-ci peut être également très intéressant pour les simpolias parce que là, on est sur un spécial floraison. Donc, plutôt pas mal. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, après, voilà, celui-ci, je pense que vous connaissez tous hein, pour le système racinaire beaucoup plus dense, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être tester celui-là. Parce que là, on est sur quelque chose pour le développement racinaire. Dans les Tradescantia que vous avez là-bas, toutes n'ont pas très très bien raciné. Et du coup, je me suis dit que en ajouter vraiment un tout petit peu. Ou alors, je me fais vraiment 1 litre d'eau avec 2 000 litres à l'intérieur. Et je regarde mes simpolias en perlite vermiculite si elles ont raciné. Et puis on peut directement tester sur ça. Je pense qu'on va peut-être faire ça aujourd'hui. On va le mettre de côté et puis on y pense. Et pour tout le reste, pour l'instant, je vais ranger. Vraiment, c'est un test. Je vais prendre tout dans ce petit paquet à l'abri de la lumière. Celui-ci, on peut glisser à l'intérieur maintenant. Voilà. Et sinon, j'ai toujours pas fini mon thé depuis tout à l'heure. Ça doit faire 1 heure au moins que je me suis fait. Mais bon, là, c'est vrai que du coup, il est quand même froid maintenant. Du coup, après coup, j'avais vraiment pas envie de faire les choses n'importe comment. Donc, j'ai été chercher ma bouteille d'eau d'un litre. À la base, c'est, vous savez, les bouteilles de limonade en verre, comme ça, c'est plutôt pratique vu qu'elles font 1 litre. Eau à température ambiante. Et puis, je vérifie, mais normalement, c'est 2 millilitres par litre d'eau. 1 à 2 fois par semaine. Alors, ça, c'était pour la foliaire. En terre ou hydro, ajoutez 1 à 2 millilitres pour 10 litres. Ah oui. Là, on n'est clairement pas sur 10 litres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste tremper la pipette dedans sans la remplir. Et puis, je sais pas, 10 litres d'eau là, actuellement. Enfin, j'ai pas un contenant de 10 litres d'eau. Les sécurités en. Mais vous savez que les sécurités enfants, ça fonctionne sur moi. Tellement je n'ai pas de force dans mes bras et dans mes mains. Je crois que c'est bon. Ah, ça y est, c'est bon. Oh, je ne l'ai pas agité. Je referme. Ah, mais du coup, il y a re la sécurité enfant. Je vais prendre la plus petite, comme ça il y aura moins de quantité encore. Vraiment, j'appuie même pas dessus, hein, juste. Ah. Et je vais venir l'essuyer vraiment sur les rebords. Vraiment, j'en veux vraiment le moins possible. Je sais pas si vous allez m'entendre, je parle vraiment bas aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Bon. Je recommence. Le chat commençait à être trop près du produit. Je l'ai poussé. Surtout pas de contact avec les yeux. Surtout si vous en avez sur les mains, vous vous lavez les mains. Et je suis très maladroite, alors il faut vraiment que je fasse attention à ce que je fais. Vraiment, il n'y en a pas dans la pipette. J'en ai mis le moins possible là-dessus. Voilà.
ça c'est fait. Je vais ranger mes petits pots de Saint-Paulia. Mes petits pots de Tradescantia plutôt. Pendant qu'on parle de Saint-Paulia, regardez, elle a refleuri. Sa fleur est incroyable. Et puis, elle a d'autres bourgeons dessus. Et il y a deux autres en floral. Je vais vous sortir de la vitrine. On ne voit pas grand chose avec les lumières. Il y a deux autres ampe florale. Elle est magnifique. Et je crois qu'il faut que je l'arrose un petit peu. Parce que je vois ses feuilles là qui retombent un petit peu comme ça. Elle a soif. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour dans ma vitrine. Je vais regarder ce qui a besoin d'être arrosé. Et puis je vais sortir tout ce qui a besoin d'être entretenu. Et on va regarder aussi les racines des Saint-Paulia, surtout de celle-ci. Et oui, mais c'est surtout celle-ci. Et puis il y a un chat maintenant qui a pris possession de la vitrine. Tous les jours, il vient s'installer sur le petit tapis chauffant. Oui, oui. Il vient s'installer là sur le tapis chauffant et si la vitrine n'est pas ouverte quand je l'aère, il vient et il me miaule dessus pour que je lui ouvre la vitrine. Merci. Bon, du coup ici ce sont toutes les plantes de la vitrine qui ont besoin d'eau excepté les Saint-Paulia. Et ici, on a cette magnifique Friday qui m'a fait cette dernière feuille. Très très blanche, hein, par contre. Mais sinon, elle a vraiment des feuilles incroyables. Et elle est en pont, elle a de superbes racines. Là, on a une petite... une petite Oya et celle-ci il me semble sur celle-ci ou la Flamingo Dream que j'avais vu des il me semble des cochenilles, des racines. Celle-ci je sais que je l'avais rempotée. Voilà, celle-ci je l'adore, la Calistophila je crois. Je ne l'ai pas encore rempotée depuis que je l'ai et elle est dans son pot de jardinerie et on voit que bon, ça lui plaît, en tout cas elle me fait de nouvelles feuilles très très belles. Mais prochainement, je pense, la semaine prochaine, il faudrait que je la rempote parce que la pauvre, quand même. Ensuite, ici, on a Anthony Blue Mint, je crois, qui me fait des feuilles incroyables. Par contre, depuis que j'ai mis les étagères, celle-ci, ça va être la dernière feuille qui va pouvoir pousser en vitrine. Il va falloir que j'enlève de vitrine après, donc j'ai un petit peu peur parce que ces feuilles deviennent vraiment incroyables. On verra bien. Elle est en pont aussi. Une petite Alocasia Ninja qui revit. Ça y est. Mon Alocasia Flamingo Dream que j'avais acheté à Velaria. Il me semble que c'est ou... il me semble que c'est celle-ci que j'avais vu qu'il y avait des cochenilles, des racines dessus. Je l'avais rempotée et puis là il faut vraiment que je l'arrose. Alors celle-ci je ne sais plus. Crimson Queen, Princess. Enfin bref. Qui me fait des feuilles incroyables, de petites nouvelles feuilles là encore. Elle a plusieurs pieds je crois, ouais, 2, 3, elles sont vraiment incroyables, je l'adore, je crois que c'est peut-être ma Oya préférée même. Je crois qu'elle est passée devant la Flamingo Dream parce que la Flamingo Dream, depuis que je l'ai mis en vitrine et que je l'ai enlevée de la cuisine, elle se plaît beaucoup moins bien. Ici une petite fougère qui pousse très très bien. Un philodendron. Je me rappelle plus du nom, je suis désolée. Qui a du mal à me faire sa nouvelle feuille qu'il prépare juste là. Mais j'ai vu qu'il y avait un petit souci au niveau des racines, mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme de rempoter aujourd'hui. Donc ce sera pour la semaine prochaine. Ici on a ma petite orchidée des bijoux. Voilà. Et là on a ma boîte. Deux chaînes de cœur à Yigata,
qui est très très sec. Il faut que je l'arrose. Là, du coup, je commence à inspecter ce bac-là. Donc, on est sur de la Sympolia ovariata, je crois. Si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est une pousse. Ça, c'est une pousse. Ça, c'est une pousse. Et ça, c'est autre chose. C'est de la rose en dégradé numéro 1. Parce que j'ai deux roses dégradées, mais elles ne se ressemblent pas exactement. Et là, dans ce... dans ce gobelet-là, j'avais ces pousses-là. Je suis désolée pour la mise au point. Je fais trop tomber mon téléphone et depuis, il a du mal. Alors là, on peut voir que ça a pourri un petit peu. Mais on peut recouper ici parce que ça reste encore ferme là. Donc, on va pouvoir couper et refaire raciner. Et puis ici, on a deux belles feuilles qui ont fait des belles racines. Et celle-ci qui a totalement pourri. Donc ça, je l'ai enlevée. C'est pas grave. De toute façon, on en a plein d'autres. Voilà, donc je vais voir et puis en fonction des autres, peut-être que celle-ci, je les viendrai les passer en terre. En attendant, je vais les mettre dans un petit gobelet comme ça. Plusieurs fois, on m'a demandé où est-ce que je trouvais mes gobelets parce que normalement, bah voilà, ils sont plus trop à la vente. Alors moi, je les avais trouvés dans le magasin L'Incroyable. C'est un magasin de décoration, d'art de la table et puis... d'aménagement de la maison et puis c'est un peu style la foire fouille mais un peu mieux rangé, un peu plus joli je trouve, je préfère ce magasin là et en gros bah voilà c'était chez L'Incroyable donc pour l'instant je vais les mettre là comme ça à part. Celle-ci je vais couper ici avec mon petit, faut que je nettoie avec ma petite lame comme ça que je vais venir couper en billets et puis je vais venir le replanter dans son petit gobelet. Bon, du coup, petite découverte, ces deux plants-là de Sympolia ovariata ont bien raciné quand même. Celui-ci aussi également, d'ailleurs, on peut voir aussi des nouvelles feuilles. Ça a bien raciné. Lui aussi, on peut voir plein de nouvelles petites feuilles. Donc je suis trop contente. Alors j'avais dit pas de rempotage, mais je pense que celle-ci je vais les passer en terre si j'ai encore dans les petits pots à baby plantes. Et puis il y a également celle-ci aussi qui a bien poussé, qui me fait également plein de nouvelles feuilles. Mais je sais pas, je la trouve encore un peu trop jeune, un peu trop petite. Je vais la laisser par sécurité en périvermiculite vu qu'elle se plaît très très bien. Les autres aussi je pourrais le faire. Mais si j'ai encore des petits gobelets, enfin des petits pots à baby plantes, je pense que je vais les passer en plantes. Et d'ailleurs, j'ai vu des filles sur Instagram qui faisaient un genre de... qui mettaient un genre de petite corde en fait, pour faire en hydro en fait, tout simplement, faire boire la plante par capillarité. Donc je pense que je ferai ça. En plus, j'ai du fil à broder, donc ça peut être pas mal avec ça. Enfin bref, celle-ci, je vais la laisser. Comme ça pour l'instant. Bon, du coup, ce matin, petit entretien des Sympolia qui sont fleuris. Je vais vous montrer. Hop là. Je vais vous montrer. J'arrive pas à la choper. D'ailleurs, oula, il faut que l'arrose, elle. Voilà, donc on voit qu'elle a plusieurs feuilles, plusieurs fleurs en fait, fanées à couper. Donc on va faire ça, et puis pour l'autre aussi. Celle-ci, encore plus. Mais c'est pas à toi que je les montre. Celle-ci encore plus. Et hier soir, j'ai fait l'inventaire de toutes mes Sympolia que j'avais. Il y en a d'ailleurs même que j'ai en plusieurs fois. Donc ça, pareil, il faudra que je le note. Comme ça, je pourrais en offrir. Et après, il faut que je rentre tout dans mon application. Donc ça va prendre pas mal de temps. Je pense que... en plus, j'en ai deux que j'ai perdues. Donc il va falloir que je les retrouve pour les supprimer de l'application. Et je pense que je ferai ça devant sûrement des vidéos YouTube ou quelque chose comme ça cet après-midi.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir désinfecter ma petite lame pour couper mes sympholias. Hop. Et puis après, j'ai un peu d'arrosage et d'entretien à faire, vous savez, sur mon petit meuble blanc là devant ma baie vitrée. Et d'ailleurs, sous la vidéo, donc pas celle d'avant, mais celle encore avant, on m'a dit, ah, t'as toujours pas trouvé ton meuble. Alors non, j'ai toujours pas trouvé le meuble que je voulais. Il n'y a jamais rien qui va en fait avec les dimensions. Soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Ça va jamais. Du coup, pour l'instant, provisoirement, je garde ça. Et pour l'instant, en tout cas, niveau place, il me va très bien. Le problème, c'est que j'ai fait une commande à Ma Jungle Verte, à Emmeline. J'y ai commandé des Oya. Je crois qu'il y en a 8. Je ne sais pas du tout où je vais les mettre. Mais vraiment, cette fois-ci, je ne sais pas du tout où je vais mettre ces Oya là. J'espère que d'ici que je reçoive le colis, les caladiums seront tous dead. Comme ça, je les mettrai là. Mais c'est pareil, ils vont peut-être avoir un peu froid, donc je sais pas. Que devant la baie vitrée, il fait quand même un peu froid pour l'instant. Bon, peut-être que d'ici là, ils auront mis le chauffage, je ne sais pas. On verra bien. Mais voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire sur mes sympholias, vous ne voyez pas, je crois, de là. Alors sur les ampes florales, je coupe seulement les fleurs fanées. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des repousses sur les ampes florales, tout simplement. Donc je coupe seulement ce qui est fané. Il y avait un moustique mort dans ma sympholia. D'accord. Celle-ci, elle a très soif. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est... Ces feuilles sont vraiment très très flexibles. Normalement, on ne peut pas faire ça avec des feuilles de sympholia, sinon on la casse. Mais là, tellement elle a soif, il va falloir que je l'arrose. Est-ce que je ne vous rapprocherai pas? Je vais tout faire tomber encore. Ok, là. J'espère que vous verrez ce que je suis en train de faire. Alors là, je repère. Bon, alors là, c'est toute l'ampe florale. Je vais vous montrer. Ici. On a toute l'ampe florale ici. Même la tige qui est sèche. Alors dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on tient bien le pot de la plante et le terreau. J'ai un doigt ici, là, sur le terreau. Je pince et je tire. Et ça vient tout seul parce que vous voyez... C'était totalement sec, mais vraiment totalement sec. Si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chat qui pète un câble. Alors là, par exemple, sur cette ampe florale là, on a trois jolies fleurs. Et puis là, juste là, on a une fleur fanée. Quand vous pouvez, vous venez tirer directement et vous récupérez que la fleur et sa toute petite tige. Parce qu'en fait, vous voyez, ça sert à rien de couper les ampes florales. Parce que ici, par exemple, on a d'autres petits bourgeons. Ici, là, on a d'autres petits bourgeons qui peuvent venir donner une fleur. Donc, c'est important, si vous voulez avoir une belle floraison, de ne pas couper toutes les ampes florales. Voilà. Et alors, je ne sais pas si j'ai très bien... Hop, celle-là, je la coupe, elle est en mauvais état. Dans 2 jours, elle est fanée. Hop, voilà. Donc là, on se retrouve avec ça. Mais on a plein d'autres petits bourgeons de fleurs partout, vraiment partout. Même ici, là, juste là, qui arrivent. Donc voilà. On va bien l'arroser, surtout en période de floraison, c'est important. Mais bon, comme vous voyez, il y a toujours des petits loupés. Et j'ai vu aussi certaines personnes, c'était des filles sur Instagram que j'ai vu, je crois que c'était des Ukrainiennes que j'ai vu faire ça. Il y a plein de comptes Instagram en fait avec des sympholias et c'est très souvent des comptes Instagram ukrainiennes. Et en fait, les filles, ce qu'elles font, c'est qu'elles font
Bon, il y en a plein d'autres qui le font aussi pour toutes les autres plantes, mais pour les Sempollia, c'est elle que j'ai vu faire en tout cas, c'est de mettre un fil de laine, je pense, ou un fil de coton, dans le terreau de la plante qui pend ici, et en fait avoir une petite réserve d'eau, comme ça la plante boit par capillarité assez, enfin, elle boit ce qu'elle a besoin, quoi. Et je pense que la prochaine fois que je ferai des rempotages de Sempollia, il se peut que j'intègre cette méthode, je pense. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé, mais sinon, dites-moi. Alors, là, ici, quand j'ai. Quand j'ai des hampes florales comme ça. Où là vraiment toutes les fleurs sont vraiment fanées, mais que la tige n'est pas encore sèche, on le voit, elle est encore molle et puis assez épaisse. Ce que je fais, c'est que je vais venir couper ici, là comme ça. Je laisse en fait le morceau de tige et j'attends tout bêtement qu'il sèche pour pouvoir le retirer correctement. Parce qu'en fait, si je le coupe à la base, il va y avoir, vous savez, toujours un petit point d'humidité au bout là de la tige. Et j'ai juste pas envie que ça vienne faire, que ça fasse pourrir en fait ma Sempollia. Donc comme ça, j'ai juste besoin que ça sèche et hop, j'aurai juste à tirer. Et puis voilà, aucun risque de pourriture. Voilà, on limite les risques. Vous voyez là, la tige n'était pas totalement sec. On peut voir ici, là. Qu'il y avait encore une partie un peu vivante. Et puis en fait, juste en venant tirer, c'est parti quand même. Donc, je suis venue la retirer directement. Voilà, celle-ci aussi a besoin d'être arrosée. Voilà ce que ça nous donne pour les deux. Donc voilà, je vais aller les arroser tout à l'heure. Elles sont vraiment très très belles, vraiment. Est-ce qu'on est trois contre-jour ici? Ça va? Ça va. J'ai rentré certaines de mes plantes carnivores et en fait je me rends compte qu'elles sèchent beaucoup plus vite en intérieur qu'en extérieur, ce qui est normal. Et sur celle-ci j'avais un petit peu d'entretien à faire quand même. Oh, elle a des belles racines. Il y a un petit peu d'entretien. Ça, on va l'enlever, je sais pas ce que ça, c'est une mauvaise herbe. J'arrive pas à l'enlever, j'ai pas cette force. Ouais, mais c'est enraciné ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Une petite mauvaise herbe, on dirait un peu de la ciboulette. Ça sent aussi de la ciboulette. Voilà, ça j'ai enlevé. Mais en fait, vous voyez pas ce que je fais. Comment on fait? Attendez. Ne me demandez pas qu'est-ce que c'est que cet angle de vue, je n'en sais rien. Mais si je sais pas comment mettre le téléphone pour que vous me voyez, enfin pour que vous voyez ce que je fais, je suis venue retirer ça. Elle était totalement morte. Là, c'est où j'ai déraciné ma petite mauvaise herbe là. Lui, je vais attendre qu'il soit totalement noir comme l'autre pour l'enlever. Hop. Et ça, c'est des petites plantes grasses qui étaient tombées dedans. Et en fait, qui ont super bien raciné. Je ne sais pas si vous allez voir. Genre là, juste ici, c'est des petites plantes grasses qui sont tombées dedans. Ou alors que j'avais cassé et que j'ai mis dedans, juste comme ça. Et ça a super bien raciné dans le terreau à plantes carnivores. Non mais s'il vous plaît. Du coup, je les laisse. Je les laisse, on verra bien. Donc ça, il va falloir que je remette de l'eau. Donc je le mets de côté. Bah, après, c'est pareil pour toutes mes plantes carnivores. Vous allez me dire. Voilà, je pense que vous verrez mieux comme ça.